Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment gagner un maximum d'XP? Je suis passé niveau 150 en un peu plus d'une semaine de jeu sur Fortnite. C'est énorme! Pour passer niveau 100, il faut au total avoir fait 7 500 000 XP. Moi là, je suis niveau 150 et j'ai acheté le pass de combat en entier. Du coup, j'ai commencé le jeu réellement en étant niveau 100. Ce qui veut dire qu'en une semaine, j'ai gagné la moitié de 7 500 000 XP, ce qui est à peu près 3 750 000 XP. Regardez, je vous montre, c'est pas du fake. Bien niveau 150, il me faut 75 000 XP à chaque fois pour passer niveau supérieur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma technique, comme cette incroyable map qui m'a donné tout ça d'XP. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai été choqué de mes propres recherches. Pile avant que je vous montre ces incroyables maps, n'oubliez pas qu'il y a un concours en ce moment même sur Twitter. Il reste plus qu'un jour pour vous puissiez tenter de gagner le pack No Way Home. Le lien du concours est en description. Et merci à toute la team des déchaînés qui mettent le code Unchained. Vous êtes 39 000, quasiment 40 000. Et ça fait extrêmement plaisir. Boom accepté. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Seuls ceux qui ont déjà fait top 1 avec une couronne ont le droit de liker cette vidéo. Bon, nouveau glitch XP, on est parti. Cette map m'a donné un nombre d'XP j'ai jamais eu autant. Bien sûr, je fais ça pour aider la communauté. Faites-le très vite parce que Fortnite patch les glitches très rapidement. Le code 3794-8637-4359. Il est très simple à faire. Tu mets en partie privée et tu fais jouer. Quand tu arrives sur la map, t'attends que le démarrage se fasse automatiquement. Alright. Ensuite, après, quand tu spawns, hop, tu prends le petit jump. What? J'ai déjà gagné 1900 XP juste en rentrant dans la game. Et tu te diriges en fait dans le safe area, c'est au centre de la map. Hop, tu rentres ici, tu vas à droite, tu sautes là, hop, tu sautes sur le cœur. Il y a quelque chose d'invisible, et ensuite là, tu vois, il y a une petite rampe. Tu te prépares. Oh, j'ai loupé. On refait. Hop là, et. Hop là. Quand t'es ici, tu fais n'importe quelle danse. Et voilà, 13 000 XP, 16 000 XP, 20 000 XP, 27 000. J'ai jamais eu autant d'XP, genre. C'est la map glitch XP où j'en ai jamais eu autant. 50 000 XP, mec. Mais mec, c'est énorme. 60 000 XP, what? 66 000 XP, ça m'a donné. Ça continue. 2700, je suis bientôt niveau 150. 2600, waouh, cette map de dingue. 2456, mais attends, mais on va voir jusqu'à combien ça va m'amener. Mais frère, c'est abusé. Ah, celle-là, c'est pas celle de la dernière fois. Hein. Dis-toi, tu fais un top 1, tu gagnes à peu près 5 000 XP si tu fais une bonne game. Alors, moi, pour gagner niveau quand tu es niveau 149, c'est très, très loin, il faut 75 000 XP par niveau. Du coup, ça va être de ouf. Et ça me permet de débloquer tous les Spider-Man. Que ce soit celui en blanc, celui en or, celui en rouge. Et je me pose la question, est-ce que si je relance la map, il y a moins que je regagne encore 50 000 XP? Vas-y, on teste. Donc, on a toujours le même code. Partie privée, jouer. Bam! On est sur la même map, on y retourne. Hop. Hop. Hop là. 5000, 6000, 25 000 XP frérot, 26 000 frère, ça continue. On a bien fait de relancer. D'ailleurs, au total, j'ai gagné combien? 60 000 plus 26 000 plus plein de 2000, 3000 de tout à l'heure. J'ai gagné peut-être 150 000 XP, je dirais. En l'espace de 5 minutes, les gars, en l'espace de 5 minutes, 150 000 XP. Moi, ce que je vous conseille pour pas louper et être informé le plus tôt possible, t'active la cloche. Tu mets toutes les notifications comme ça, pile quand moi je sors une vidéo, je sors un glitch ou quoi, bah t'es au courant instantanément. Et de deux, rejoins mon TikTok. Sur mon TikTok aussi, je fais des glitch XP. Comme ça, tu vas souvent voir mon TikTok et pourquoi pas un jour, il y aura un glitch XP qui sortira. Tu seras le premier à le voir. Allez, prochain niveau, ma gueule. Hop là. Je suis officiellement niveau 150. Je vous avais prévenu qu'aujourd'hui, il y avoir beaucoup, beaucoup de maps. 32-29, 8027, 4-4, 2-4. Alright, quand t'es sur la map, là, il faut aller derrière ce bouton Twitter. Tu vas build 1, 2, 3 rampes, hop, sur le côté. Et là, derrière, t'as un bouton violet comme ça. Tu vas devoir tirer 15 balles dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14... Oh, 14 balles. Là, t'as trouvé un secret. On a go back to 1v1 et récompense secrète. C'est pas trop ça, je vais pas vous mentir les gars. Encore une map qui fonctionne pas. Bon, moi comme ça, je vous les montre les maps qui fonctionnent. Pour ça, vous pouvez peut-être garder que celles qui fonctionnent. Quoique c'est quand même pas mal, hein. Je crois que si t'attends quand même assez longtemps ici, tu peux t'en faire quand même un petit peu sur celle-là. Non, en vrai, celle-là, elle passe, ça va. On est déjà quasiment à 1000 XP, ça peut le faire. Prochaine map. 3-8-9-0-9-5-5-5-6-2-9-0. C'est parti. Ok, alors sur celle-ci, il va falloir build des rampes. Sur un côté, tu mets deux escaliers, un sol. Tu vas à droite du sol et normalement, bam, bouton secret. Clique dessus. 1000 XP instant. Pas mal. Après, tu vas de l'autre côté, tu fais la même chose. Une, deux rampes et un sol. Et normalement, t'as un bouton aussi ici. T'interacts dessus. Et en fait, le truc que tu vas devoir faire, c'est switcher entre les deux boutons. Donc là, j'ai switché sur un bouton. Donc j'ai fait 2000 XP là-bas, plus 800 XP. Donc on est déjà à 2800. Cette map est vraiment pas mal. Hein. Vous savez que c'est extrêmement rare de trouver des maps qui donnent énormément. Hop, je reviens sur celui-ci. Oh, ah, hey, cette map, elle est validée, les gars. 2800 plus 2800, ça fait déjà 5400 XP. Je suis content. Non, plus, ça fait 5600. Je reviens sur ce bouton, j'en regagne encore. Oh, je vais aller plus vite encore avec mon grappin. Oh. Technique de grappin, voir. Nice, encore. Ah, je gagne plus trop l'apparence. Je crois que j'ai gagné à peu près 10 000 XP. 10 000 XP en 2-3 minutes. Ça va. On va dire que c'est une bonne map. The body pour la prochaine.
Le code c'est 7950630648 57. Et attention, la particularité c'est que là qu'il va falloir rajouter V1209. T'appuies sur entrée et on joue. Hop là. Donc c'est une map que j'ai vue dans la vidéo de Brice. Donc ouais, on regarde des vidéos, on voit si ça fonctionne. Merci Brice pour ce glitch, on va voir s'il va fonctionner le tien. Il y aura sa chaîne en description. Regardez. Donc c'est une map 1v1. Et derrière ce panneau là de tuto, si tu vas derrière, tu t'accroupis. Hop, game XP made by VBX360. Si je gagne plus de 2000 XP, je suis content. Ouh, voilà map 2400 XP. 191, ah non, ça c'est pas ouf. Ah, je veux plus, pourquoi j'ai eu que 2400? Ah, je pense malheureusement, elle a été un peu patch. Hein. Regardez combien Brice il a gagné. Le bouton, il y a écrit Gain XP made by VBX360. Vous appuyez dessus et regardez combien d'XP je gagne. 17 000. Et je rappuie, 17 000 encore. 35 000. Oh, on n'a pas gagné la même chose, hein. Alors là, ma main, je me suis fait baiser. Mais là, regardez combien ça a monté à gauche, là. C'est une dinguerie, frère. C'est une purée de dinguerie. C'est une dinguerie de fou. Prochain et dernier glitch. Comme d'hab, code de Lille, 48 27 39 17 77 35. Cette map est très intéressante car vous allez pouvoir gagner des XP de plein de manières différentes. Partie privée, c'est parti. Comme d'hab, quand t'arrives sur la map, t'attends que le démarrage se fasse automatiquement. C'est parti. Alors là, on perd pas de temps, on saute instant. Comme d'hab, tu vas au centre de la map. Et là, tu peux commencer par un premier endroit ici. Tu sautes sur ce petit bouton vert, tu ressautes encore. 4 XP. Ok, j'ai rien dit. Après, tu vas là et tu fous l'appui sur E. 32 XP. Ça va pas le faire. Ok, dernière solution. Tu montes ici et tu tues les bots. Ah mais ça donne pas beaucoup cette map hein. Ah, quand je vous avais dit que j'avais trouvé une map avec un record. Des fois t'as des fails comme ça tu vois. Tu penses que ça va te donner beaucoup mais malheureusement c'est très 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 peu. La dernière solution aussi c'était d'acheter des armes. On achète plein. Regardez, ça remonte un peu vite. On monte quand même à 400 là. Mais c'est pas ça. Grand max, ça m'a fait gagner 1000 XP en vrai. Bon, en vrai les gars, je suis retourné sur la map qui m'a donné un record d'XP. Parce que c'est tellement rare. Il faut savoir qu'au plus tu vas lancer la même map, moins tu vas gagner d'XP. La première fois j'en avais gagné 66 000, la deuxième fois j'en ai gagné 30-40 000 à peu près. Là on va voir. Hop, hop. Ok. Ça va. Troisième fois que je lance la map, elle me donne encore de l'XP. Là vraiment, j'en ai fait 10-20 des maps d'XP. Celle-là, c'est la best. J'espère réellement qu'elle fonctionnera pour vous. Si vous connaissez des maps glitch XP, contactez-moi en message privé Twitter ou alors au message privé sur mon Discord. Mes deux réseaux sont en description ou alors contactez un modérateur aussi sur le Discord. Mais regardez, 6600 XP, je reste ici, je ne bouge pas. J'espère que tu vas pouvoir gagner pas mal d'XP grâce à ces maps. Et on n'oublie pas la technique, active la cloche de notification. Va me suivre aussi sur TikTok, il est en description de la vidéo. Car Fortnite patch très vite les maps qui donnent de l'XP comme ça. Donc il faut être souvent partie des premières personnes à voir la vidéo pour gagner un maximum d'XP. N'oubliez pas de vous abonner les amis, on a une vidéo par jour sur la chaîne. Et hop, voici la dernière vidéo qu'on a sortie hier. Clique, elle est insane. Et sur ce, je te fais un gros bisou. C'était une chaîne. Ciao bye. See you.